Les infrastructures énergétiques de nouveau ciblées par l'armée russe en Ukraine. Des missiles ont touché des installations qui permettent l'approvisionnement en eau et en électricité dans plusieurs régions du pays. Chloé Lagadou, dans la capitale, certains quartiers sont même privés de courant. Ah oui, actuellement, 350 000 foyers sont toujours privés d'électricité et 80 des habitants restent sans accès à l'eau potable. Denis Schmigal, le premier ministre ukrainien, dénonce une attaque massive des Russes et explique qu'il ne cible pas les installations Militaire, mais les infrastructures essentielles civiles. L'armée de l'air ukrainienne décompte plus de 50 missiles de croisière lancés par la Russie grâce à des avions depuis la frontière sud-est du pays. 44 missiles ont tout de même été abattus par la défense antiaérienne côté ukrainien et Kiev n'est pas la seule ville à être visée. Le maire de Kharkiv rapporte que deux missiles sont aussi tombés sur sa ville et au total ce sont des centaines de localités qui sont touchées et 18 installations pour la plupart liées à l'énergie qui sont endommagées. Pour les habitants de la capitale ukrainienne, l'accès à l'eau et au courant électrique devrait être rétabli dans l'après-midi. Mais sur Twitter, Anton Gerashchenko, conseiller du ministre de l'Intérieur, demande à tous les Ukrainiens de se mettre à l'abri. Merci Chloé Lagarde.